Bonjour et bienvenue pour le retour de la survie du week-end. Normalement, je vous ai montré un gros chat, un gros chat qui n'existe plus. Si vous êtes intéressé par toute l'histoire et tout ça, allez voir les vidéos de, on va dire, d'update, de mise à jour que j'ai faites. J'ai tout expliqué. Donc, on va éviter d'en parler, parce qu'on en a déjà assez parlé. C'est déjà assez compliqué d'aimer le jeu. Donc, nous allons aller dans la nouvelle zone. Donc, nous avons ici la peau du cougar qui est en train de sécher. Ça prend trop de temps. C'est 10 jours. Ouais, c'est 10 jours. Donc, on va pas faire en fait ça. On va pas faire ça. Surtout que c'est très lourd, honnêtement. Donc je le déconseille. Je le déconseille. C'est 1 kg. Au lieu de 0,35 pour la chapka en peau de lapin. Et surtout, le plus gros problème, c'est de le réparer. Le réparer, en fait, il faut une peau de cougar séchée. Et en fait, c'est le même système que la cape en fourrure d'élan. Donc pour réparer ça, il faut une fourrure. Si vous le détruisez, vous récupérez la fourrure. Donc grosso modo, en fait, vous, une fois qu'il est... Je parle. Une fois qu'il est un peu trop abîmé, vous le détruisez, vous récupérez la peau et vous recraftez encore une nouvelle cape en fait avec. C'est un peu débile cette mécanique, mais bon, elle a toujours été là. Interland ne réfléchit pas. Donc c'est exactement la même chose qu'avec le couvre-chef. Donc si jamais il commence à être dans les 50% et tout, ça va être la galère. On va devoir le détruire, le recrafter et tout ça. Donc je ne conseille vraiment pas d'utiliser ça si vous allez dans une zone que vous ne connaissez pas et qui est loin. Donc on va rester avec la chapka. Par contre, on a un truc sympa. Donc avec les petites mises à jour de la partie 5, on peut maintenant avoir le score but. Ah, je suis tellement heureux de l'avoir. Donc du coup, j'ai beaucoup pêché. J'ai beaucoup pêché. C'était une catastrophe. J'ai passé plusieurs jours en jeu à pêcher. Donc ça se traduit par plusieurs heures de jeu. Voilà. Je regrette mes choix dans ma vie énormément, surtout The Long Dark. Mais voilà, on a beaucoup de poissons, donc j'ai mangé en fait strictement que du poisson pendant très longtemps. Donc ça va, c'est bien. Donc maintenant, du coup, on ne devrait pas avoir de problème pendant un très long moment par rapport à ça. Et j'ai fait aussi de la nourriture. Bon, honnêtement, c'est moche. S'il y avait un mode pour éviter qu'il y ait ces croix-là, ou alors à la limite qu'on garde la nourriture à 100%, parce que nous, techniquement, on s'en fiche en fait que ça soit à 0%. Nous, on a la cuisine niveau 5. Aussi, au passage, vu que j'ai tricoté tout ça, on a le raccommodage. Ça y est, c'est bon, on est au niveau 5. Ça a pris du temps, mais on est au niveau 5. Donc 100% de chance de réussite. On aura de raccommodage moins 40%. Améliore l'état de l'objet plus 25% et usure nécessaire à coût du 30%. C'est pas mal, c'est sympa. Et j'ai la pêche sur glace aussi, je suis monté au niveau 4, donc à 4 quasiment et demi. Donc voilà, ce sont les stats. J'ai lu quelques livres aussi. Je crois que j'ai augmenté le fusil, ça sert à rien, mais bon, voilà, que j'avais du temps. Donc du coup, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est moche en fait dans l'inventaire. C'est très très moche de voir de la nourriture en fait immangeable, mais bon, nous on va la manger parce que nous on risque rien. Mais voilà, donc on a ça qui donne énormément de vitamine C. Pour 0,40, 1125, donc c'est majeur, c'est très très bien. Après, on a les pancakes de Lily, c'est modéré, 1250 pour 20, c'est très très bon aussi niveau poids. Après, on a ça, c'est du, on va dire, du normal. Pour 15, on a 900, donc c'est bien, parce qu'à peu près, genre, vous prenez un gibier, c'est 1 kg pour 1000. Techniquement, grosso modo. Donc là, c'est très très bien. C'est encore une très très bonne value. Et après, on a ça aussi. Alors ça, c'est un peu... C'est quoi? Ouais, non, ça peut aller aussi. Donc je les ai pris sur moi. Parce qu'on m'a dit de prendre pas mal de nourriture, en fait, pour aller là-bas. J'ai un peu de poisson. J'ai des cafés. Donc ça, c'est des cafés qu'on va... Il y en a deux. On va les chauffer. On va les garder chauds et on va avancer en fait avec ça pour avoir le buff de chaleur. Donc ça, on va le garder de côté. J'ai récupéré aussi des tisanes de bouleau. Donc ça, c'est des vieilles tisanes. Elles sont à 100. Vous voyez, c'est des vieilles tisanes qu'on a fait il y a très très longtemps. Parce que c'est un peu... Honnêtement, c'est le bordel hein, ici. C'est vraiment le bordel. Il y a des trucs de tous les côtés. Il y a vraiment des trucs de tous les côtés. Donc vivement la partie 6 dans 3 ans et demi où on pourra faire des rangements, des lieux de rangement. Parce que moi, j'ai arrêté d'essayer de mettre de l'ordre. Hein. C'est juste le bordel. Il y a trop de choses partout. Donc voilà. Aussi, si vous voulez combattre des grosses bestioles comme par exemple le cougar qui n'existe plus... botte de combat correcte, botte de combat, très très bonne résistance, cap de fourrure d'élan, très très bonne résistance, et après j'avais utilisé ça aussi, le casque m'a aidé et tout ça, donc ouais, c'est ça un peu, ça c'est l'équipement en fait de défense on va dire, ça aussi c'est 20 alors que là on a
T'as 7. Non, ça c'est 10, ouais. C'est 10 alors qu'on a 7. Les bottes, là c'est 7. Je crois que les bottes c'est 20 celles-là. Je me rappelle plus exactement. J'ai pas envie de les prendre dans l'inventaire. J'ai pas envie de regarder. Regardez vous-même. Donc ouais, on est prêt en fait pour partir à l'aventure. Donc oui, j'ai bu ça. Donc on a le repos amélioré encore si on veut. Parce que j'étais en train de me soigner. Parce que le cougar a fait mal. Donc on a ça 5, 5, 5. Je vous montre en fait ce qu'on a sur l'inventaire. Tout l'équipement est plus ou moins très très bien. Parce que j'ai vraiment passé du temps en fait à réparer tout ça. Donc on est très très bon. Pour la nourriture aussi on est bon. Comme j'ai dit, on a beaucoup d'eau. Donc on est à 46,85. Donc techniquement on est pas mal en fait. On peut prendre des cordes facilement parce qu'il suffit juste de balancer un peu d'eau. Et c'est à peu près tout en fait. Donc voilà, on a encore plein de nourriture et tout sur nous. Donc on va pas mourir de faim. J'ai fait ça, j'en ai parlé ça. J'en ai même pas parlé. J'ai fait le couteau en griffe de cougar du coup. Je suis allé le faire, c'était une galère mais je l'ai fait. Alors je le conseille pas honnêtement. En fait il est plus lourd. Il est plus lourd, genre le couteau normal. Bon, moi j'ai un couteau comme ça parce que le jeu est buggé comme d'habitude. Mais couteau de chasse en fait il fait 0,50 et celui-là il fait 0,60. Je sais que c'est un peu, c'est juste 0,10, hein. Mais bon, voilà, c'est des différences. Grosso modo, si vous avez par exemple 45,10, ben, vous pouvez pas prendre une corde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc techniquement c'est quand même important. Donc même le 0,01 c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Par contre, je crois bien que c'est plus ou moins les mêmes stats que celui du couteau de chasse. Je crois qu'il va aussi vite. En fait, le problème c'est que j'ai pas beaucoup de choses à couper ici. Il faudrait le tester sur une carcasse et j'ai pas de carcasse en fait qui traîne. Mais si vous prenez ça, vous voyez en fait que c'est les mêmes chiffres en fait. Donc j'imagine. Ah non, là il faut pas de couteau. J'imagine que c'est la même chose. J'imagine que c'est les mêmes stats en fait que le couteau de chasse. Je crois bien. Par contre, il a un avantage et un seul avantage, c'est de pouvoir en fait faire beaucoup plus de dégâts quand vous débattez en fait avec un loup par exemple qui vous a foncé dessus, qui vous a sauté dessus par exemple. Donc ça peut être intéressant. Mais bon, encore une fois, nous on va pas vraiment combattre. Des loups au corps à corps, hein. On n'est pas con quand même. Donc on va éviter de faire ça. J'ai deux arcs. J'ai deux arcs. On a le sac de couchage en peau d'ours que j'ai aussi remis à 100%. On est nickel. Honnêtement, on est bien. On est bien préparé. On a un peu de réserve aussi. Si jamais on doit recoudre et tout ça, genre les duvets, c'est très très rare et c'est très très relou à récupérer. Donc du coup, j'en ai une vingtaine. Les duvets, c'est surtout pour ça. C'est pour la couche de base. On a des allumettes. On a un fire steel. On a une loupe. Le fire steel, on peut pas en avoir un meilleur. Enfin, quoique, le fire steel, je l'utilise jamais vraiment. Oui, mais on en a d'autres. Après, ce qu'on peut faire aussi, ça serait prendre le gilet pare-balles que j'ai mis là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Mais le problème, c'est que le gilet pare-balles est extrêmement lourd. Et 6 kilos, je crois que je ne peux pas me le permettre. Parce on va aller dans une zone où il y a beaucoup de cordes à prendre, apparemment. Enfin, il y a beaucoup de verticalité, grosso modo. Donc, c'est des montagnes et tout ça. Donc, en théorie, on va devoir prendre des cordes. Et en théorie, bah, 6 kilos, je peux pas vraiment me le permettre. J'ai déjà pris ça, c'est 0,25. J'en ai pris 3 parce qu'apparemment, il y a beaucoup de loups gris, on m'a dit. Genre, voire même trop, en fait. Genre, c'est la zone pas vraiment fun à parcourir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des gens qui ont combattu, genre, 5-6 packs de loups gris, en fait, d'affilée. Donc, du coup, ça va, honnêtement, ça va être relou. Donc, j'ai pris une trentaine de flèches. C'est beaucoup, hein, 30 flèches. Hein. C'est énormissime, 30 flèches. Mais normalement, je pars avec 10, 20 grand maximum. Et honnêtement, j'en utilise 5, quoi. Mais là, on va en prendre 30 et j'ai pris aussi deux arcs, donc un à 100% et celui-là là qu'on va utiliser. Donc ça, le travois, je l'ai réparé. Le travois, c'est super chiant pour réparer. Il faut une peau de cerf à chaque fois. C'est vraiment très très relou. Donc ouais, on est bon. Donc on va aller faire ça. Dernier horizon. Donc pour la carte, je vais pas vous montrer tout le chemin parce que ça va être très 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 long. Donc on va un peu avancer. Donc ce que je vais faire en fait, c'est on va devoir passer par Muskeg Morn et après la voie ferrée détruite pour aller dans la zone de DLC. Et en grosso modo, on va arriver dans la zone où vous savez, ben, il y a le train en fait, si vous vous rappelez bien. Et dans cette zone-là, on va pouvoir en fait pas aller donc dans la zone de contamination ou pas aller dans l'aéroport. L'aérodrome plutôt. On va aller dans cette nouvelle zone en fait. Il y a une troisième entrée maintenant qui s'est débloquée et donc du coup on va faire ça. Donc ouais, je pense qu'on est bon, je pense qu'on est prêt. Je pourrais faire chauffer ce que j'ai en réserve. C'est où les réserves? Ah oui, c'est ça.
Je pourrais faire chauffer ça, mais honnêtement, je pense que je vais même pas les utiliser. Donc je crois que ça sert un peu à rien de les faire chauffer. Par contre, moi, je vais partir maintenant. Je suis pas remis à fond, mais j'ai du café. Donc je vais le faire chauffer et on y va. Voilà. On va couper maintenant parce que de toute façon, comme j'ai dit, le chemin va être long. Donc dès qu'on sera vers les zones de DLC et tout ça, on se reparle et on ira explorer et on verra les nouveautés, et tout ça. En tout cas, c'est parti. Et nous sommes arrivés. Donc, avant de partir aussi, j'ai pris quelques petites choses supplémentaires. Genre, pour faire de l'eau, par exemple. Parce que oui, j'avais un peu oublié qu'il nous fallait ça pour faire de l'eau. J'ai pas pris des faitous et tout ça, parce que c'est quand même 1 kg à chaque fois. Donc, j'ai préféré prendre juste des conserves. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, on est arrivé ici. Honnêtement, ça a pris énormément de temps. J'avais un peu oublié que c'était aussi long que ça pour arriver là. Ouais, franchement, ça fait 1 h 30 que je suis dessus, je crois. Ah, la porte qui se ferme automatiquement. Ce qu'on va faire, c'est que... On va faire un peu de feu. On va faire un peu de feu. On va faire chauffer des trucs. J'avais fait un feu entre les voitures. On va avancer d'abord. Parce que je voudrais trouver un peu plus de bois. J'avais pas trop envie de prendre tout le bois qu'il y avait à l'avant. Mais bon, voilà, on est de retour ici. Maintenant, on connaît un peu cette zone. Hein. Donc ça va. Le poids, on est à 43. Il nous faut un peu d'eau. Comme j'ai dit, hein, le poids est bon. Donc ça, voilà, c'est ça qui est important. Donc ils l'ont pas mis à jour. Alors je pense pas qu'ils vont le mettre. Hein. Je pense que c'était pas. Donc Field 31, c'est l'aérodrome. Lenstone Mine, donc je crois que c'est la zone du coup contaminée qu'on a fait, qu'elle est là-bas. Et ça en dessous, bah, c'est la nouvelle zone. En théorie, si on m'a bien indiqué, si j'ai pas dit de bêtises. Donc ça c'est pour aller à l'aérodrome. Ça c'est pour aller à la zone de contamination là-bas. Et en théorie, nous, notre zone, elle est plus dans les montagnes. Parce que nous, c'est une zone, comme j'ai dit, très très verticale. Donc, ça devrait être là. Ça devrait être là. Et avant, on pouvait pas y aller. Avant, c'était bloqué, je crois. Ça doit être ça, je pense. Je pense. Est-ce qu'il y a une route là? Y a pas... Ah si, 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 il y a une route. Non, c'est bon, c'est ça. Ah, en gros, il faut faire tout un détour et après, il y a une bifurcation où on va dans la zone de contamination ou alors on monte, en fait. Et du coup, on va dans la nouvelle zone. Nous, on a un peu coupé. Donc, ouais, il faut qu'on fasse du feu, faut qu'on se réchauffe. Et comme j'ai dit, après, comme ça, je fais chauffer, en fait, tout ce que j'ai dans la bouteille, là. Ça aussi, la bouteille devrait un peu la buffer parce que je crois que ça reste pas longtemps. Genre en intérieur, en plus ce qui est un peu débile, c'est que en intérieur, ça reste chaud plus longtemps qu'en extérieur. Alors, dans un sens, oui, c'est logique, je sais. Mais bon, si on reste en intérieur, c'est pas vraiment important d'avoir de la boisson chaude, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est marrant qu'ils aient fait cette différence. Quand je parle de la boisson les boissons chaudes, je parle de ça, hein, du thermos, là, l'isotherme, la gourde isotherme. Mais c'est marrant qu'ils aient pensé à ça, mais pas au fait que ça soit pas très très utile en fait. On a des lapins. Par contre, faut que je mette comme ça, parce que si jamais on doit combattre, je prends l'arc qui est abîmé. Parce qu'elle prend en fait l'arc qui est à 100% en premier quand je fais ça. Donc c'est un peu embêtant. Je voudrais. C'est par là ou par là? Non, je crois que c'est par là. Ah, c'est ça, je crois que c'est ça. Ah, c'est une corde. Oh, dès le début. Bon. Ouais, notre poids c'est bon, c'est pas grave, grave, grave. Mais j'ai encore du café parce que j'en ai pris extra en fait avant de partir. Donc du coup on va en profiter, on va faire... Ah mais j'ai pas beaucoup de bois sur moi, j'ai combien de bois? 4, ah, ça devrait suffire. Je pense que ça devrait suffire. Est-ce qu'il fait beau? Oui. On va tout mettre par terre, on va faire tout chauffer. Ah, j'aurais dû d'abord. Ouais, c'est pas grave, on va avoir le temps. On est quand même feu 5, donc ça va. Genre les petits bois, ça dure longtemps. Voilà, 45 minutes, ça va. Alors, attends. Ce que je voudrais chauffer. Alors, on va faire chauffer ça. Pas maintenant, pas encore. Et on va faire chauffer
ça, on va le mettre de côté parce que ça, c'est le vieux que j'avais pris. Et moi, ce que je veux faire, c'est ça. Transférer. Ok, nickel. Et on va mettre. C'est compliqué un système. Ça serait tellement bien si on pouvait mettre tout simplement. Bah attends. Tout simplement la gourde à côté. Hein. Ça serait bien. Hein. Ça serait vraiment bien ce système. Hein. Mais bon. Hein, faut pas exagérer dans la logique. Ok, est-ce que tout le monde. Non, putain. Ah bon. Chiant ce système. Désolé, j'essaye de pas trop m'énerver. Ça, voilà. Ça, on va le garder, ça, on va les utiliser, parce que c'est des vieux à 100, là. Nous, on va prendre ça. Porte, très bien. Hop. Ok, tout le monde est prêt. Très bien. Hop, hop. Oh, ce système! Nickel. Maintenant, hop. Comme ça, on regagne un peu de chaleur. Let's go. Ah, c'est compliqué hein, pour faire trois trucs. Hein. C'est... Mon Dieu! Faut avoir de la... De l'expérience hein, pour manier les choses rapidement hein, dans ce jeu. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, ça, c'est une petite corde. Ça. On n'a pas très fatigué. Ah là là, ça me rend fou, moi, ces détails qui pourraient être fixés très très facilement. Ça me rend complètement fou. Alors, faut que je me. Ok, il est bon. Alors, on va prendre du bois quand on le voit. Ça va, on n'a pas trop perdu. En vie, c'est bien. J'ai encore la tisane là qui remet de la vie, qui est encore chaude. Donc à la limite ça va. Faudrait qu'on trouve un peu plus de bois et qu'on fasse un plus gros feu en fait, qu'on soit à fond. Hein. Qu'on soit à fond. Donc en théorie je suis sur la bonne, j'espère, mais bon ça, je pense pas qu'on soit perdu. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour la nouvelle zone. Je voulais faire un montage genre le passage. Entre venir ici et quand on était à la base. Mais j'ai quoi 1h30, 1h40 d'enregistrement. Donc si je vous mets ça, si je vous fais un montage même de 10 minutes, ça va prendre sur le fait qu'on découvre la nouvelle zone. Donc on va pas faire, voilà. C'est juste transition, on est on est là où il faut. Parce que ça va plus vite comme ça. La chaleur, c'est un problème. Alors, est-ce qu'on a soif? On a soif. On va un peu sprinter. Ok. Où est-ce qu'on va? Ah, par contre, j'ai pas de charbon sur moi. Ok, donc là. J'ai pas de charbon. Comme ça. Voilà, très bien. Ouais, non, j'ai pas de charbon sur moi, donc je peux pas dessiner la carte. Mais bon, on fera un feu à la limite, c'est pas très très grave. Donc notre but, c'est de découvrir... c'est quoi? C'est une station météorologique, je crois. Je crois que grosso modo, notre but, c'est ça. C'est une station météorologique, on est après ça. Est-ce qu'on les prend maintenant ou pas? Ça, je sais rien. Oh! Ah oui, bah oui, des corbeaux. J'ai plus l'habitude de faire attention à ça. Ça. Je pense qu'on est bon sur le chemin. Ouais, on va peut-être pas prendre les baies et tout ça. Par contre... Ça, oui. Ah oui, parce qu'une fois préparé, ça fait beaucoup de calories et c'est pas lourd du tout. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un cul-de-sac, ça? Ça, c'est un cul-de-sac, ça. Par contre, on n'a pas trop froid, ce qui est bien. Le temps est potable. Je suis resté...
une nuit en fait dans la zone juste avant, enfin là où on s'est réveillé, là où je vous ai montré. Je suis resté une nuit à, enfin une journée à rien faire parce que c'était genre la moitié de la journée, donc je me suis dit non, on va pas partir en moitié de journée, sinon le temps qu'on arrive va faire nuit, froid et tout ça, on va rien voir, il va faire froid. Donc du coup j'ai un peu attendu qu'on ait aussi du beau temps. Ah mais nous on était là-bas, nous. Ouais nous on était là, ok ça marche. On devrait être bon. Je pourrais boire les boissons chaudes. C'est vrai que ça c'est un truc que je fais vraiment jamais en fait. La gourde elle m'aide pas énormément. J'utilise jamais quasiment la gourde en fait. Je bois jamais les choses à l'intérieur, j'avoue. Parce que là on pourrait la boire mais... Mais bon. On n'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de problème en fait. Par contre on a... 12. Je voudrais voir. Alors là, on a plein d'endroits pour se cacher du vent, donc ce qui est bien. Je voudrais arriver en fait à la prochaine zone et voir un peu à quoi ça ressemble. Sinon, on revient un peu sur nos pas et on se réchauffe. Mais ouais, je voudrais bien en fait voir un peu à quoi ça ressemble. Quoi. Ah, le chemin pour y aller est long. Hein. Waouh. Je pensais vraiment pas que c'était aussi long. Droite ou gauche? Gauche. Ah, ça y est. Quitter le col du transfert, ça doit être ça. Nouveau lieu découvert, le col fracturé. C'est ça. Ça, je crois. Bon, il faut qu'on se réchauffe. Pourquoi? Parce qu'on va sûrement combattre. Après, j'ai des fusées. Mais les fusées, elles restent pas longtemps. Et le problème, c'est qu'il faudra avoir une vue sur notre direction avant de claquer une fusée. Qu'on tourne pas en rond, en fait, pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais voir un peu la gueule que ça... Droite ou gauche? Là, il y a un chemin aussi. Ah. Ah, là, il y a des bâtiments. Alors, je préfère aller dans cette direction, du coup. Oh! On peut pas y aller. Ça m'étonnerait qu'il y ait des loups, en fait, dans les montagnes. Donc, je crois que l'endroit le plus safe ici, ça va être genre comme ça, là, dans les montagnes. Je regarde si on voit des loups ou pas. On va un peu sprinter parce que... Je commence à perdre un peu trop de vie, en fait, à mon goût. Après, on peut un peu dormir hein, pour récupérer. Il faudrait juste arriver là-dedans, si on peut. Mais je peux pas passer, ça, si. Faites pas ça chez vous. On voit rien, hein. Y a rien qui bouge en bas. En tout cas, bon, c'est bon signe, tant mieux. Alors là, on peut sûrement faire un feu et se mettre à l'abri. Enfin, j'espère. J'espère que c'est pas un cul-de-sac. Non, ça va. Ça va, t'es con. Pas mal. Je crois qu'on doit avoir une vingtaine de bois. Donc c'est pas mal. Juste un peu avancer. Non, c'est un cul-de-sac? Non, c'est... Okay. Je vais voir un peu la gueule que ça a. Ok, chemin. Ok, ça marche. On va se poster là. On va faire un feu. Ouais, non, là c'est bien, non?
Oh, ok. Pourquoi pas? Ça marche avec la loupe, pourquoi pas? Donc ouais, petite pause ici. J'espère qu'on a au moins 2 heures de feu. Ah, 20 bois, je sais plus, moi, avec le niveau Come on, 5. little fire. Non. Ah, on a 3 heures de feu, très bien. Très, très bien. Ça, on va mettre. Nickel, alors fais voir un peu nos réserves. Faudrait préparer. Ça. Alors, on récupère. Nickel. Donc on en a un peu plus. Prévu. Oui, très bien. Donc on a ça en réserve. J'ai plus de boisson pour me remettre de la vie par contre. Ça c'est pas embêtant. On a ça qu'on peut boire pour la tisane. Je sais pas trop. J'ai encore 2 heures de feu. Je sais pas trop en fait quoi faire. Parce qu'il faut que je pense aussi à la... aux calories et tout ça. Donc... Bon, à l'intérieur, ça c'est tout froid, j'imagine. Ah non, c'est encore chaud. C'est encore chaud. Ouais, mais ça sert à rien de le boire maintenant, c'est débile. Désolé, j'ai vraiment plus trop vraiment l'habitude en fait. Okay, très bien. Alors là, du coup, ça. Faire ça. Ah, on peut faire chauffer ça? Ok, cool. Ah, c'est bien ça. Je me rappelais, avant on pouvait plus les faire chauffer. Enfin, je crois que les plats, ont... ça dépendait des plats, j'imagine. Très bien. Ça aussi, on va le faire. Alors là, j'en ai combien d'extra? J'en ai 3 extra. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que les 3, on peut les chauffer et les mettre dans la gourde. Comme ça, on les boit en fait les uns après les autres. Parce que ça, c'est un peu le truc facile qu'on trouve partout. Ça, c'est vrai que les écorces de bouleau, on les trouve pas vraiment partout. Et j'aurais dû en prendre 10, en fait. Pas que 5. J'aurais dû vraiment en prendre 10. C'est un peu con. Ok, très bien. On va dormir 1 heure. On peut dormir 2 heures, honnêtement. Ouais, mais il fait déjà nuit. Enfin, nuit. Non, il fait pas déjà nuit, mais... On est un peu tard en fait. On n'a pas trouvé de bâtiment pour se reposer, vraiment. On n'a rien trouvé. Et le temps il peut se dégrader et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc. 40, ça va, c'est bien. On va encore en faire. Vu qu'il y a beaucoup de baies, on va en profiter. Très bien. On va taper dans la nourriture vite fait. Voilà, très bien. On en a combien du coup? 4, 5, 6. Okay. Ça en fait 4 extra. On va en faire 1 extra. Donc. Ça, tac, 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 tac. Ça, on vire tout. Nickel. Très bien. On peut encore dormir. Enfin, quoi que je viens de boire en fait. Non, c'est bon, on y va.
Attendez, on va faire ça. Voilà, c'est bon. C'est pas mal là. On aurait pu. J'aurais pu un peu profiter un peu plus de la chaleur et dormir genre 1 heure de plus, j'avoue. Bon, c'est pas très grave. On a pris le sac. Hein. C'est pas trop grave. C'était pas 100% efficace là, mais c'est pas grave. On a mis des. Bon, funeste. On a mis des boissons chaudes là. Faut que je pense en fait à les intervertir comme ça. Parce que c'est vrai que je garde toujours. En fait, c'est. J'utilise. Comme j'ai dit, je n'utilise pas vraiment bien la gourde isotherme. Pour moi, la gourde isotherme, c'est un peu le truc où. Quand on est en danger, on l'utilise. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Quand on est en danger, je l'utilise. Mais en fait, c'est pas vraiment une bonne solution. Je devrais plus l'utiliser souvent en fait. Genre là, on a mis. Les trucs avec les baies là. C'est quoi? C'est un truc qui bouge là devant moi? Ça là. Ouais, c'est un truc qui bouge. C'est un loup. Donc il y en a dans les montagnes. Là. Bon, par contre, on a trouvé une petite cabane. Parfait. Oh, c'est bien ça. Risque d'avalanche. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, c'est vraiment pas mal. Du coup, il fait chaud. Comment ça se passe? 31. Ouais, non, ça. Bon, après, on a des gros vêtements. Ah, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas combien de temps la vidéo en fait a duré avec. On va continuer, je pense. Faire ça. On va devoir combattre. Hein. On va devoir combattre. Ouais, on va devoir combattre. C'est un gris, hein. Oui, c'est un gris. Je sais pas si je peux lui tirer dessus. Ça fait plus de défense. Ah non, c'est un. Ah non! Bon, bah ça va, y a pas de grille là en fait. Ah, quelle merde! Commence bien! Ah putain, j'ai le poignet qui est abîmé. Vache. Bon, il est parti loin. Bah ça commence bien, dis-moi. Attends, ouais, mais j'ai mon poignet qui est pas remis, moi, en fait. Attends. Attends, 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 attends. Ah, je l'ai vu zigzaguer parce qu'il y avait des problèmes de neige. Ah, c'est bon, c'est mort. Il faut qu'on le tue pour qu'on mange, en fait. Bon, après, on n'a pas pris trop cher. Fais voir les vêtements. Moi, c'est la peur, en fait, c'est les vêtements. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Bon, par contre, le couteau, il tue pas énormément, hein. Le nouveau couteau, hein. Dans un sens, ça fait tester le nouveau couteau, j'avoue. C'est pas si mal. Ok, très bien. Est-ce qu'il a été utilisé, le couteau? On fait des tests, du coup, c'est bien. Fais voir. 98%. Hop, hop. Faut qu'on te mange, hein. J'aime pas le fait que les choses apparaissent pas. Regardez, vous voyez les baies? Regardez, vous avez vu la distance d'affichage? Alors est-ce qu'il meurt vite ou pas? Le loup.
Du coup, on risque d'être un peu bloqué ici le temps que je récupère à manger en fait. Non, que je récupère ma vie, pardon. Est-ce qu'il y a des traces de ce côté? Non. Je voudrais bien récupérer sa viande. Comme ça, on mange. Comme ça, on est bien. Je crois qu'il est allé de ce côté à droite. Là. Ah, c'est bon. Il est là? Ah non. Non, c'est un caillou. Il y a du sang. Ah, il est là. Douze minutes. Bon bah c'est pas mal. Ah peut-être que ça vaut le coup le coup. Enfin non, ça vaut pas le coup de combattre au corps à corps. Faut non, le faites pas. Mais au moins, ils crèvent vite les machins. J'ai l'impression. Ah par contre on n'a pas de bois. On n'a pas de bois ici. Je viens de m'en rendre compte. Ah non, ça c'est le problème. Par contre, on va où? À droite ou gauche? Dans les montagnes ou pas? Bon, bah notre premier combat s'est mal passé. C'est pas trop grave. C'est sympathique d'avoir cette petite maison. Là, ça fait 1 de défense, là, ça fait 3, c'est pour ça que j'ai mis ça. Très bien. Bon, on peut casser des choses. Ah, risque d'insomnie. C'est quoi ça? Ah oui, oui, je me rappelle maintenant. Ouais, c'est ça, en fait. Ok. Il n'y a pas de bois. Oui, on n'entend quasiment plus rien. Bon, bah, je crois qu'on va être bloqué là un peu. Ouais, on va être un peu bloqué là. Pour la nuit, au moins. Donc, on va faire à manger, on va cuire. On va essayer de récupérer le plus de vie possible. On a un lit, on a un peu de bois du coup. Pas énorme, mais on a un peu de bois. On va casser ça. On va casser ça. Très bien, on a aussi la chaise. La table, pardon. Voilà. Ça a pris beaucoup. Mais... C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait cuire ici. Comme ça, vu qu'on n'a pas trop de bois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le feu à l'intérieur. Juste pour éviter les problèmes si jamais. Ça. 100%, 90. Ouais. Ok. Juste pour éviter en fait le risque de se faire souffler le feu. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix en fait en bois là. Et puis il n'y a rien dans les montagnes. Donc ça, c'est un peu le danger. Très bien. On va pouvoir se mettre bien. Voilà, 49, très bien. On a récupéré des nouvelles choses, des nouvelles baies là. Enfin, des baies quoi. On va pouvoir les fabriquer. Il y a ça aussi à fabriquer. Très bien. Après, je sais pas si ce feu, il est touché par l'extérieur. J'ai pas l'impression. Il nous faut de l'eau aussi, un peu d'eau. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il est touché par le climat extérieur, donc du coup, ça va très vite en fait. Ouais, ça part très vite le feu. Bon, c'est pas trop un problème, mais on est limité quoi. On va faire la viande et on va faire un peu d'eau aussi. Et je voudrais bien garder du feu
toute façon, on n'a rien à faire, là. On n'a rien à casser, rien à récupérer. On aurait pu faire un feu ici, genre le protéger un peu, mais bon, il n'y a pas vraiment de protection parfaite. On peut faire un feu à l'intérieur ou pas? Non. Ce serait la galère. Non, non, mais ce serait dangereux. Non, non. Il y a tout qui bouge. Vous voyez, les herbes, elles bougent et tout ça. Donc, non, non. Comme j'ai dit. Voilà, on va manger ça. Très bien. 36 minutes, très bien. On a les glands. Comment ça marche, les glands à préparer? Je crois qu'il y a la grande portion à préparer. Je me rappelle plus vraiment. Ah, très bien. Ça. Parfait. Un truc qu'on pourrait faire, c'est boire une tisane à la limite. Ouais, boire une tisane. Et puis, parce que je les utilise tellement jamais. Comme ça, on récupère un peu plus de vie rapidement. 18 minutes. Est-ce qu'on a d'autres choses à préparer ou pas du tout? Non, on n'a rien. On va peut-être refaire des... Bah, des bandages, on en a encore 4, ça devrait aller. Les vêtements, ils sont en bon état. Ils sont en bon état, pas besoin de les réparer. Tout va bien. Là, on est bon. Il y a ça. Après, il y a encore ça hein, pour récupérer de la vie facilement. Mais vu que là, on peut dormir. Ça, on peut le déposer, ça séchera. Le métal, on va le garder sur nous, le métal, à la limite. Juste au cas où, si on en a besoin. Très bien. Non, toi non. Minutes. On va faire un peu d'eau. Non. Je veux pas trop. Je veux pas utiliser tout mon bois en fait. Un peu, ça fait combien de... Ah merde. Ok, ça fait combien d'eau potable? On est à 1,77, c'est pas assez, il nous en faut au moins 2. 18 minutes. On va manger. Faudra faire attention, hein. On peut pas manger que de la viande hein, maintenant, à cause du vitamine C, hein, le problème de la vitamine C. Ok, on a 2,77, c'est très bien, on a encore ça à manger. On pourra manger quelques... genre peut-être un pancake. Genre pour se remettre de la vitamine C à la limite. Pour ceux qui savent pas, la vitamine C, je suis allé quand même renseigner comment ça marchait dans The Long Dark. C'est une sorte de jauge en fait invisible, on va dire, qui est genre à 500. Et chaque jour en fait elle baisse, elle baisse. Et si vous en mangez pas bien sûr. Et je crois que quand il reste 100, vous avez une sorte de debuff qui dit attention, vous allez vous manquer de vitamine C et vous allez avoir le scorbut et tout ça. Et une fois que c'est à 0, vous avez le scorbut. Et après c'est là que vous mourrez petit à petit. Mais il faut après tout simplement manger en fait de quelque chose avec de la vitamine C. Je pense que ça suffit. Donc voilà, faut faire attention à ça. Ah, très bien. Donc ouais, faut faire attention à ça en fait. Donc, tant que... moi, j'ai pris des gros trucs. Genre, ça, c'est un des meilleurs, par exemple, pour la vitamine C. Après, ça, c'est un des très, très bons aussi. Donc, on en a de la vitamine C. Okay, on en a pas mal.
On en a pas mal. Donc ça va. Après, on a toujours les massettes. On a ça aussi, la tisane. Ça aussi, le bouleau mineur. Ça aussi, mineur. Je sais plus si ça aussi, ça en fait. On va voir. Ouais, mineur aussi. Donc ça va. Ça va. Je sais plus. Voilà. Nickel, des braises. Ah tiens, par contre, je voudrais bien que... Ah oui, mais on peut plus dessiner. Donc comme j'ai dit, je pense qu'on va faire ça. J'ai pas le buff, hein, non. Ça. Et on va dormir au moins 6 heures. Ah, on est quand même à la moitié de la nuit. Bah, du coup, on va s'arrêter là, je pense. Alors l'épisode, il sera peut-être un peu court. Mais du coup, on va continuer après ça. Bien sûr, si vous voulez voir les épisodes en avance, hein, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Hein, ils sont postés pour tous les membres de la chaîne. Enfin non, non, les membres de tiers 2, pardon, de la chaîne. Mais après, ils sortent bien sûr tous les week-ends, hein, si vous voulez tout simplement attendre. Et si jamais il y a des choses intéressantes, genre des mises à jour et tout ça, ça par contre, je les sors directement, évidemment. On est bon. On est bon. On est bon. Et on a le buff de repos amélioré. Très très bien. Bon, c'est cool hein, cet endroit, ce petit endroit là. Prendre le charbon. Ah, très bien. On est à 45-69, ça va. Après, on va manger ça. C'est bon. On sera à moins de 45, donc c'est bien. On va dormir. Ne 9 heures. Ouais, on peut dormir le plus possible en fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et on continuera cette nouvelle zone qui est pour le moment ok. Pour le moment ok. Faut juste que j'apprenne à jouer apparemment. À la prochaine. Ciao, ciao.